Je suis Serge Schwarzfeld, nous allons parler de la déportation des enfants juifs. Pendant l'année 1942, 42 000 juifs ont été déportés, parmi eux 7 000 enfants. Mais auparavant, il y a eu déjà quelques enfants qui ont été déportés parce que pour le convoi numéro 5 du 28 juin 1942, le convoi partait de Beaune-la-Rolande. Il n'y avait pas assez de juifs. Les Allemands ont organisé une rafle. Il y a eu des enfants, quelques enfants de 14-15 ans qui ont été déportés. Et ensuite, il y a eu épisodiquement des enfants qui sont partis également de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Les parents voulaient partir avec leurs enfants. Les policiers français ont demandé aux Allemands de déporter également les enfants avec les parents. La décision avait été prise finalement le 17 juillet 1942 du côté des SS Herbert Hagen, que nous avons fait condamner en 1980 à Cologne, a répondu « Si la décision n'est pas prise en haut lieu à Berlin de déporter rapidement les enfants, il faudra déporter les parents avant et séparer les enfants des parents. » Et la police française a accepté cette solution. Les enfants sont restés seuls, dans une détresse abominable, et ont été transférés ensuite à Drancy. Jamais le gouvernement français n'est intervenu pour demander de leurs nouvelles. En février 1943, dans les centres de l'Ugif de l'Union générale des Israélites de France, dans la région parisienne, 250 enfants ont été arrêtés et ont été déportés. Le gouvernement français devenait réticent parce que les défaites allemandes s'accumulaient. Ce sont les Allemands eux-mêmes qui ont opéré des rafles. Les plus connues, c'est bien entendu la rafle d'Isieux, au centre de la Verdière à Marseille, à la Martelière à Voiron. Himmler, le Reichsführer SS, a parlé à ses dignitaires SS. Il leur a dit « Que faire des enfants ?» Ça m'a posé des problèmes, mais je me suis dit finalement, il faut prendre aussi la marmaille, sinon ce serait des vengeurs.